Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Premier ministre pays, Joseph Jout, visite local EDH sous bicentenaire lundi 27 juillet. Visite ça, t'es occasion pour chef gouvernement Chita parler avec responsable institution sous divers problèmes EDH a fait face dans dernier temps ça. PM Jout explique disposition déjà prend pour permettre EDH fonctionner normalement. Ces informations ça nous porter pour avec plaisir sur l'autre. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez ou intéressez ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. À la justice, EDH, c'est deuxième institution dans l'administration publique là. Premier ministre Joseph Jout, visite sous bicentenaire. Visite ça d'après numéro 1 Primatia. Faites un objectif pour rencontrer et puis discuter avec différents cadres dans l'institution ça. Sous problème qui la cause, EDH pas qu'à répondre à obligation et puis partager avec responsable ensemble disposition qui prend pour permettre l'institution fonctionner normalement. Abdi, PM, non, merci tout parce que Jodia, bien que c'est la circonstance ça, li visite nous la Fédération Syndicat EDH là. Courant, pas de monde qui ka vivre sans courant. Bien que gon rationnement et par rapport à groupe nous qui endommagé par rapport à ou pas dit injecteur nous qui crase par rapport à fromage ou EDH THC là mais nous secteur. Donc nous dit client par nous nous vivre nous ouais gon redressement y a fait et population pour la face EDH, employé EDH. Nous-mêmes, nous pas responsables. EDH, il y a déjà une négociation qui fait avec la Turquie pour y porter des bases, lui-même dit qu'on est de qui ça m'a parlé, pour nous commencer par courant en attendant que nous travaillons pour nous augmenter les capacités de production. Il y a une réparation en urgence tout, parce que le président a parlé de ça, de centrales électriques qui au cap, pièces de rechange, ils ont commandé déjà et il y a privé semaine prochaine. Ça veut dire, il faut qu'on prenne patience. Ils ont construit tout, une centrale de 60 MW Cafou. Si nous regardons, nous avons des déclarations d'utilité publique que l'État déclaré des terres, c'est pour ça. Ils ont construit tout, une nouvelle centrale de 180 MW Cap Marché avec gaz naturel. Ils ont construit tout. Des centrales en province, 25 MW dans Cap-Haïtien, 25 MW Gonaïve. Processus passation de marché, ils ont en cours déjà. Toujours dans l'idée pour permettre EDH continuer produire et puis bailler citoyens au courant, l'État haïtien à travers l'électricité d'Haïti a gain pour produire 115 MW courant avec énergie solaire là. Bientôt, plan pour augmenter la capacité de production EDH avec ça les panneaux solaires. Ça veut dire énergie solaire photovoltaïque pour nous baisser pour production pour ça tout facture que nous devons payer il y a meilleur marché tout il y a 50 MW sous Port-au-Prince il y a 20 MW Gonaïve 20 MW il y a fait sous Cap-Haïtien il y a fait 5 MW et Jérémy Jacques Melabien 10 Port de Paix 10 total c'est 115 MW n'a fait avec production et solaire photovoltaïque. En plus réhabilitation qu'a gain pour faire sur réseau EDH là, premier ministre là expliqué pi bon façon yo pral utiliser pour permettre réseau à bien gérer. De construction 60 km de ligne de haute tension que yo pral faire et puis après réhabiliter tout réseau Delmat. Gain près 150 millions de dollars taïwanais que nous tendez. Normalement, yo fait ordre de décaissement déjà. Pour est-ce qu'il a commencé le travail conjointement avec le syndicat, bien entendu, pour nous commencer la construction de 4 nouvelles sous-stations, rénovation tout de 9 sous-stations qui l'a déjà, mais qui a fonctionné mal. Commercialisation. Il y a cherché un opérateur privé. Parce que si bon problème EDH gagné, c'est que EDH produit courant, lui distribue courant, mais il va toucher pour lui. Pour permettre travail administration Moïse et puis gouvernement Jout la pral fait pour remettre institution ça sous des pieds, premier ministre là fait connaître la continuer rencontrer et puis discuter avec ensemble cadre qui fait partie institution ça. La presse tout le monde attendait
et que local ça c'est matin la radio nous tendez PM la ville c'est pas tout visite qui était planifié et que dès que nous tendez police la ville nous fait diligence nous fait en sorte et puis policiers qui étaient barrés nous depuis plus que 4 à 5 jours nous pas rentrer là ils ouvrent pour nous nous font une préparation nettoyage et puis nous recevoir et nous là. Nous comptons ça parce que les problèmes qui gagnent dans l'EDH, pas seulement la EDH au niveau emploi et au contesté M. Michel Bredimé, la tête EDH, ils sont problèmes nationaux parce que EDH est un patrimoine national lié. Pour rationnement et par rapport à groupe nous qui endommagé par rapport à injecteur nous qui crase par rapport à fromage ou EDH dans le secteur. Donc nous dit clients pour nous garder nous vivre nous avons redressement à faire et population pour en face EDH emploi EDH nous mêmes nous pas responsables ça t'a fait dans EDH parce que nomination qui toujours fait dans tête EDH c'est toujours l'état ici qui fait la travers président de la République pour le moment nous pouvons pas dire nous jeune en temps c'est juste une visite de courtoisie FESTRED qui c'est une fédération son institution nous gagnons l'heure pour planifier, comme on vous a dit ça, ministre là, en ferme comme président de la fédération, nous planifier une rencontre qui va nous a dit qu'il va dire peut-être 2 à 3 jours, c'est à l'après-midi, c'est à demain si tu veux. Mais je remercie le Premier ministre et nous-mêmes qui l'a tout parce que moi dis déjà. Le problème EDH qui a traversé aujourd'hui, c'est pour un problème d'emploi EDH, de FESTRED. Son problème par rapport à M. Michel Bredimé, et qui passait des présentations, qui fait nul déjà, qui a dit qu'il vend produit à Jean-Van Nian. Emploi EDH, dès que autant de nominations, M. Michel Bredimé l'a fait EDH, il dit qu'il n'a pas accepté parce que même si elle a liquidé Téléco, Minotrissima d'Haïti, il n'a pas accepté pour venir liquider EDH. Même qui est plus jeune, probablement, nous pas connaît ça que EDH. Même quand ça EDH, c'est lié. Et là, je démonte EDH tout, vous êtes là. Vous êtes là. Je te prends bien EDH. Le secteur privé, pour vendre l'état courant, je songe tout, t'es gagné plusieurs compagnies. Tu as créé plusieurs petites compagnies. Et puis, c'est ça. Tu as plusieurs petites compagnies. Et pas qu'on voit ici, qui n'a pas vu le Port-au-Prince, qui fait toujours une série de petits copains avec échelle sur eux, qui permet que RDH mais qui a monté sur les zones. Moi-même, comme abonné, je subis ça parce que moi, j'ai une petite machine, j'ai une petite transformateur, dans le quartier de la Carême et puis là, la fête. Et ça fait presque notre tout Port-au-Prince. Mais nous tous là, nous avons perdu. Nous venons faire visite là dans l'EDH, mais on voit que c'est des belles bâtiments. Mais malheureusement, moi-même, j'étais toujours ici. L'EDH, pas dirigé. L'EDH, pas jamais bien mon cap dirigé. Et c'est ça qui fait nous vivre là aujourd'hui. Nous avons parlé de présumé. Présumé pas les problèmes. Non. Présumé, c'est un employé. C'est un leadership. Le débat, monsieur, l'autre. Pour ce travail, l'autre chef là, c'est Malia, c'est lui l'exécuté. Jodian, président Jovenel, contrairement à ce qui s'est passé dans l'EDH dans le passé, il choisit de mettre l'EDH complet sous des pieds militaires. Et première réunion que nous avons gagnée avec le syndicat, ils ont tous unanime à reconnaître que le président Jovenel de bonne foi et nous comptons sur route libérée. Il parlait là de plusieurs injecteurs qui passaient, matériel recommandé et bral ban en détail qui s'est fait pour compagnie retourner sous deux pieds. Discussion a toujours continué. On a continué chita parler avec syndicat, on a continué négocier avec eux. Mais pour que nous vivons côté non point pour nous faire compagnie, mais stop, même si on a continué à parler. Pour compagnon recommencer par les services. Écoutez, nous continuons à parler avec le syndicat. Parce que le syndicat sont une institution qui mérite respect dans tout pays pour choisir la démocratie. Ça veut dire,
m'a parlé avec vous, pas de écraser pour nous faire briser, pour seulement dire pour nous chita parler jusqu'à ce qu'on ait nos solutions. Démocratie, c'est ça, c'est dans le dialogue. Pas qu'à prendre un bâton, venir du syndicat chita ou bien campé, non. Ça va à la mode. Depuis 1926, ça finit. Faut qu'on chita parle avec vous. On entend nous sur qui côté nous aller, tout ça n'a pas fait. Dieu t'a toujours dit au Pablo Jou, Dieu t'a toujours dit au Pablo Pierre, Dieu t'a toujours dit au Pablo Résumé. Mais il faut continuer à parler, il faut accompagner, il faut continuer à vivre. Parce que c'est pour ça que c'est qu'il a abrité pour le meilleur. Carrément, c'est le processus électoral là, avec mon conseil électoral qui là, si mon secteur qui pas d'accord à mon blanc, et puis secteur aria, je vais dire juste vous, l'autre monde. Même d'après des machins, l'autre gens. Bon, ce qui est fait, son virage dans fait élection, et ma petite élection dans le pays d'Haïti depuis 1987. Le référendum 1987 est organisé. Vous savez des détails, vous savez des mondes, j'espère qu'il a publié les voix. Le gouvernement, Conseil national du gouvernement, si vous montez et Assemblée constituante, mais c'est que vous avez en moins de 21 jours dans l'Assemblée constituante. Et nest vous pas mettre comme gros manipulateur dans l'Assemblée constituante, ça va créer problème politique pour le pays pendant 20 ans avec exclusion. C'est quand on dit que vous êtes docteur Louis Wa. AMC, c'est un problème personnel avec des dirigeants intérieurs de notre pays antérieur. Mais ça a son histoire à raconter. Donc, pour moi-même, ce qui est fait, donc, pour y a, c'est consulter un secteur pour mettre conseil électoral, pour ce conseil électoral là. Pour y a, bon, bien entendu, il y a des gens qui jouent pour venir en politique. Donc, toute question ça, il faut prendre en considération. Moi-même, si on est parlé de ça avec moi, je suis carrément dans ce processus électoral là, conseil électoral qui là, sont un bien problème, juste vous en même pour remplacer. Parce que organiser les élections d'Haïti sont obligations constitutionnelles. Et pas vous dites que c'est de la joie qui va comme ça. Il y a des gens là, qui ont dit qu'on est venu faire élection. Là, ma bonne justice, non, parce que son IP est créé. André Michel, allez comme candidat à la présidence en 2015-2016. Dans la plateforme justice, il se fait 642 votes au niveau national. Elle dit même 2 votes par section communale qu'il fait. Et puis c'est Nexa qui a bloqué, qui a fait violence depuis 3 ans et demi. On est qui peuple là-bas et canet. On est qui peuple là-bas et canet. Là, le candidat au Sénat, département de l'Ouest, en 2016-2017, en bas plateforme DNP, même top Alderman Kalinchi à 1240 votes. Pas vraiment que toutes les caps sous les documents pour transition, c'est mon qui peuple là-bas et canet, une élection. Et puis on veut pouvoir faire élection. Parce qu'on va vous réfléchir. Dans les pays, nous avons Simon de la Canette, Simon de la plateau central. Nous avons passé ce tirage comme candidat au Sénat. On voit le ministre. On fait une élection tout partout dans les pays. L'élection peuple là-bas au Canet, et puis, on a eu une violence sous condition. Et puis, où est-ce qu'on a pouvoir dernier qui peuple là-bas au Canet dans l'élection. Où est-ce comme citoyen, comment nous allons résoudre le problème de démocratie ça? Mais le monde confine dans l'élection, il a décidé à pouvoir travers la violence. Comment on va résoudre le problème dans le pays? Quelle que soit l'opinion d'un président ou bien d'un groupe au pouvoir, il doit exprimer à bien de votre droit. Je ne parle pas d'un groupe au pouvoir, ou bien l'aide du président. Le papa a mis ça, bouge papa après, et même l'exprimer, c'est pas d'accord, nous suis mis Clinton. Même si les Obama sont allés, le peuple a dit bon, et c'est une démocratie, c'est lui ou bien Donald Trump. Il y a qui chaque fois lui de Donald Trump, nous, dans le cabinet là, il va dépendre de gens, peuple à ouais. Jean-Jules et Colonion, Jean-Jules et Colonion, décide que, est-ce qu'il y a quelqu'un de républicain comme président ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un de Joe Biden en démocratie? C'est comme ça que c'est la démocratie. Comment un groupe de nègres veut changer les votes démocratiques là? Même par rapport à un groupe de nègres qui chita à deux doigts, qui vient comme poteau, qui va voler l'État. L'État a décidé de ne pas voler encore, mais il n'est pas content, et puis il met ensemble l'autre type politique qui veut ça avec eux, et puis il a changé sans avis le peuple là. Et puis vous-même, vous allez quand même garder comme ça. Bon, moi-même, son obligation constitutionnelle, Dominique a été une obligation constitutionnelle pour faire l'élection. À part de l'élection là, de nouveaux présidents, de nouveaux parlementaires, de nouveaux magistrats.
Et c'est ça qui est de stabilité là, qui fait que vous-même, vous avez un investissement économique, qui fait que vous avez une croissance économique. Vous même si vous planifiez, violence, vous avez un pouvoir sur votre peuple. On pense que ça va avoir stabilité politique, non. Vous pensez que ça va avoir développement économique, non. Vous pensez que ça va avoir investissement, non. Là, vous avez des investissements. Des investissements, c'est mon qui était là, qui est investi là, vous décidez le papa. Mon cas était là. C'est des gens qui étaient démissionnaires, qui étaient là. Parce que le mandat est fini. Mandat qui s'était organisé, l'élection est fini. Il y a des élections complémentaires pour voter eux-mêmes organisées, mais ils n'ont pas pu les faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu les accomplir. On reste parti dans la mission qu'ils ont gagné. Par conséquent, le mandat est fini, même si ils étaient là, même si ils n'ont pas été là, c'est du pareil eux-mêmes. Ils n'ont pas de rien qui ont pris comme décision pour gagner. Au contraire, et même ça, c'était des gens qui tapaient pendant toute période ça, et qui tapaient dépenser un cop, mais qui va utiliser le pays à grand chose. Je veux dire que ça doit faire. Eh bien, il faut que nous lisions gagner un conseil électoral, Et conseil électoral là, vous le faites, il faut que le président lui-même, pour nous autres au niveau du consortium, il faut que le président prenne responsabilité pour l'inviter les acteurs. Parce que nous avons des précédents, ça arrive souvent. Déjà, il y a une période, le conseil électoral, c'est à travers un consensus. Si on connaît les faits, les différents secteurs politiques, d'autres secteurs de la vie nationale, ils connaissent les têtes ensemble et ils ont visé, n'est-ce pas, à désigner des moules. Et bien, c'est là où le président a commencé la concertation. Le fait qu'il ait déjà commencé à écrire le secteur, c'est qu'il reconnaît que c'est à travers le secteur pour le faire. Et bien, quel dialogue ça, hein, il commence avec différents secteurs. Et d'abord, pour nous commencer par vider ça, nous gagnons entre nous comme contentiers. Et puis, pour nous, comment nous allons mettre nous ensemble pour que nous fassions des liens et on va. Parce que tout le monde a gardé, nous là dans le pays. Tout le peuple a gardé pour le côté nous aller. Il y a des gens qui ont observé, il y a des gens qui ont lu nous comme nous avons fait politique. Donc nous ne pas croire que chaque fois qu'un président a échoué, pour nous penser que c'est l'échec président, non, c'est le pays qui a échoué. Donc nous avons intérêt pour nous prendre le président au mot, la dernière titre sacrée, pour que nous fassions un accord minimal, pour élection organisée, pour personnel politique renouvelé, pour nous qui sommes plus populaires. À l'élection gagnée pour que nous venions de regarder le Parlement qui l'a pas contrôlé les actions des exécutifs et que pour nous autres, tous les partis politiques, pour nous mettre la démocratie en branle. Parce qu'une fois que nous avons des institutions qui partent en place, et bien de ça, nous démocratie à l'embranle. Il faut que nous mettions le debout et pour nous mettre le debout, il faut que c'est à travers des élections et pour nous vivre à travers les élections, quel que soit l'engagement que nous parlions, nous besoin d'un accord minimal entre les différents secteurs de la vie nationale pour les que ça organisé parce que constitution claire, c'est pas seul moyen nous capables de renouveler le personnel politique. Moi-même, moi toujours quel que constitution ça que nous gagnons réellement son constitution malgré la promesse que nous mettons en application qui par exemple qu'a mis en application et depuis avant de amender décisionnaire je dis. Et la République dominicaine et lui-même l'unisé là, c'est parce que l'église a une constitution qui d'application. Ça a été mis sous président Préval. Et là, il était mis besoin de faire élection, il était obligé de créer un secteur, secteur handicapé, secteur populaire, etc. Mais que secteur ça a existé? Parce que moi-même, je ne sais pas si on a parlé du secteur, ou du secteur de la politique, société civile, ou bien droit de l'homme seulement. Nous avons plusieurs autres groupes qui ont organisé en dans le pays. Même ça, c'est important pour moi, je veux dire. Nous avons besoin pour que nous vivions en tant que pour nous des personnalités responsables, crédibles, que nous capables de venir avec. Qui sont dans des secteurs clés de la vie nationale, qui sont capables d'inspirer un minimum de confiance. De 1980, qui ça nous tire comme leçon des comportements que nous gagnons comme responsables. Eh bien, leçon tirée de 1980, qui ça lié, c'est que nous n'avons par exemple les têtes nous ensemble, mettez-nous d'accord pour que nous mettons le pays à sous-rail, pour nous entrer dans l'application de la loi, dans l'application de la Constitution. Eh bien, nous toujours à tourner nos cercles d'instabilité, côté que je dis, hein, résultat, c'est ça nous abdise là. Et quel que soit mon gabine prend pouvoir, je dis, hein, même Jean-Président Jovenel, l'héritier de misère, de chômage, d'insécurité, hein, mon
monde qui va finir après le président Jovenel là, il va arriver même quoi sous dol, là même héritage là sous dol. Si je dis à on est qui aspire pour le président de la République, ou choisir que c'est sous ensemble des problèmes ça pour le président, eh bien mon cher, où sont les gens déjà pour aller jouer? Moi-même, moi quoi que si on est aujourd'hui, ou carrément venir diriger pays après le président Jovenel, eh bien bon effort qui pour faire, alors l'homme dit on garçon dit on femme, bon effort qui pour faire, effort qui pour faire là, c'est garder comment nous capables de poser jalon pour au moins nous résoudre certains problèmes. Là, nous profiter de l'occasion ça pour nous résoudre certains problèmes. Et c'est ça, le président qui choisit la prière, il n'est pas gagné pour gagner tout quoi ça au sous-dol. Pour aller dans le bagage, si nous autres haïtiens, la classe politique dans son ensemble, le pouvoir, nous voulons résoudre le problème de sécurité à la résoudre. La résoudre parce que les gens qui sont là, quelque part, il y a des gens qui sont arrivés sous eux. C'est toutes les forces juives de la nation, la classe politique, le pouvoir, le secteur religieux, les gens qui sont la société civile, les notables, les organisations de base, tout le monde met ensemble et dit non, il faut que ça, pour le problème, ça résoudre. Mais bon, garantie le problème là. Présence nous, c'est venu inaugurer classe publique, classe à baptiser. Place 16 de l'Ilavois. Je dis à qui c'est 27 juin, la ça, li ouvri, li rete disponible pour le public l'Ilavois et public CESLES là. Je dis à Bundi, merci avec contribuable yo. C'est grâce à contribution yo. Yo bail avec commune ça, c'est comme taxe yo qui fait place publique ça, qui fait sous-commissariat ça, n'a pas gardé là. En premier temps, nous avons inauguré sous-commissariat, côté tout le monde se laisse taper dans sous-commissariat. En deuxième temps, nous venons inaugurer place publique, c'est se laisse de l'avoir. Je veux dire, place publique, ça a ouvri. Pour les gens qui jouent au basket, nous avons un terrain basket, nous avons un terrain football, et il ouvre tout pour nous venir courir sous lui. C'est vrai, un bel espace qui est là, dans ce là. Je dis à nous dit place à l'igon terrain football sous lit, l'igon place publique sous lit. Avec contribution, nous, je dis à nous arriver à faire projet ça. Et je dis à nous dit avec public quoi de bouquet, public qui la voit, population chrétienne, ces dernières inaugurations, nous avons fait parce que nous qui te voté nous, nous te voté nous pour nous talbayer au service. D'après la constitution, 47 amendé, nous avons un mandat à 4 ans. Les 4 ans arrivés parce que nous avons prêté serment 28 juillet 2016, 28 juillet 2020, a fait nous 4 ans. À partir de demain, si Dieu veut, nous allons tête mairie quoi des bouquets encore. C'est vrai, nous apprenons, gagnons un arrêté qui conduit nous. Mais nous-mêmes, cependant, nous avons gagné un mandat. Le mandat nous avons gagné, c'était un mandat constitutionnel. Nous avons prêté serment sous constitution, nous devons respecter la constitution étant homme d'État. C'est l'élection qui baille pouvoir, ce n'est pas des autres qui baille pouvoir. Je dis à nous dire un grand merci avec Moun Li La Voix, Moun Kwa de Bouquet, qui te fait cartel ça, trois messieurs dames ça aux confiance, qui te voulait représenter nous. C'est vrai, nous gagnons un bilan. Nous gagnons un bilan, nous gagnons la jodia. Parce qu'à partir de M. Yévé, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas engager la commune ça et l'État dans la commune ça encore. Parce que je veux dire, c'est le dernier jour, nous, et nous disons d'être monsieur Yévé, nous allons la gagne. Pour nous entrer, nous sommes entrés dans la commune quoi des bouquets. Dans la mairie quoi des bouquets, nous sommes joué une mairie qui était seulement 600 goudes qui était sous caisse mairie. Nous jouons d'être 56 millions de goudes. Nous jouons une mairie à descendre dans la troisième catégorie. Nous payons des 56 millions de gouttes là, plus nous payons des location machine pour environ 9 millions de gouttes. Nous payons toutes. Nous ne quittons pas mairie avec dette. Nous payons seulement 3 mois d'arrêt de salaire. Et ça fait nous de 3 mois. C'est parce que la taxe nous connecte, l'État pouvoir central a retourné nous taxes à yo. Pour ça, ça veut dire qu'il faut nous payer par rapport avec position politique. Non. Bon, nous comprenons ça. Mais l'essentiel, je dis, nous mettons mairie quoi de bouquet dans première classe. Nous retirons le côté c'est le ministère de l'Intérieur qu'on a fait payroll sous lui. Là, nous vivons encore dans la mairie quoi de bouquet. Nous déjeunons une mairie sale pour président. J'étais tourné dépôt pour machin. Nous-mêmes, dans le cartel mairie quoi de bouquet, nous sommes arrivés à réparer l'espace, réhabiliter et réparer place. D'entrée de jeu, je voudrais présenter mes plus vifs remerciements
à tous les employés de l'UNCC qui n'ont jamais marchandé leur collaboration durant mes 5 mois passés ici comme directeur général. Je refoule encore cet espace avec beaucoup d'émotion, soutenu par le rêve de conférer à cette institution fondamentale pour le développement économique d'Haïti son vrai rôle. Nous avions initié des réformes en profondeur. Nous avions lancé, pour le bien des générations futures, des enquêtes contre des gens qui, jusque-là, étaient intouchables et qui détiennent en leur possession, de manière illégale, d'importants fonds publics. Ce courage soutenu par l'engagement remarquable des enquêteurs a conduit nos actions et a donné des résultats probants comme plus de 5 dossiers importants acheminés à l'autorité de poursuite et plus de 10 enquêtes remobilisées avec énergie et conviction. Nous avions été imperméables à toute tentation et toute approche des tenants de la misère de ce pays, grâce à notre méthode soutenue et encouragée sans relâche par le Premier ministre, M. Joseph Jout, l'actuel gouvernement détient le niveau maximal de déclaration de patrimoine. J'adresse une pensée particulière aux deux brillantes. Je pars servir un peu plus haut dans la structure étatique, mais je garde en mémoire une institution bourrée de cadres hautement qualifiés et qui sont pétris du sens de l'État. Je rumine souvent cette et professionnelle ambiance de travail trouvée jusqu'à présent nulle part ailleurs. Je suis fier de vous et je vous aime beaucoup. Ainsi, je vous demande d'accorder une collaboration sincère et active au nouveau directeur général de l'UFCC, que vous connaissez bien, pour avoir été mon directeur de cabinet durant mon passage ici. Je suis convaincu qu'il saura mener notre ULCC à bon port. À tous les employés, du petit personnel jusqu'au regard, merci infiniment. Je pars, mais je resterai toujours disponible pour vous, pour votre DG et pour le bien-être de l'institution. Je vous remercie. Dès les premiers moments de sa présidence, le chef de l'État, Son Excellence Jovenel Moïse, a toujours manifesté sa volonté irrépressible de combattre la corruption sous toutes ses formes et expressions au sein de l'administration publique haïtienne. Même quand certains analystes et observateurs politiques s'obstinent à rester sceptiques quant aux moyens dont dispose le gouvernement en vue de s'appliquer de façon équitable, d'appliquer la loi portant sur la prévention et répression de la corruption, il s'est investi chaque jour avec plus de fermeté à rendre les institutions républicaines comme l'unité de lutte contre la corruption de plus en plus performante dans leur fonction de répression pour ce qui a trait aux pratiques illicites et mafieuses, à la fraude fiscale et à la corruption. C'est dans cette optique et dans la mouvance d'une fonction publique toujours dynamique, en quête du mieux faire, que je procède aujourd'hui à l'installation de M. Anne-Ludwig Joseph comme nouveau directeur général à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Monsieur le directeur général sortant de l'ULCC, la conjoncture et les devoirs vous ont appelé à occuper l'un des postes les plus importants du pays, en l'occurrence ministre de la Justice et de la Sécurité publique. À ce titre, vous avez la charge de conduire des missions régaliennes de l'État. En effet, la justice recouvre en partie les missions dévolues à l'ULCC. Monsieur le directeur général de l'ULCC, je sais que
L'institution ne vous est pas étrangère pour avoir officié comme directeur de cabinet du directeur général sortant. Aussi, pourrais-je vous enjoindre de cheminer sur les traces de M. Rockefeller Vincent dans sa volonté de placer cette institution en dehors des velléités partisanes et des tensions inutiles. Un organe de contrôle et, a fortiori, l'unité de lutte contre la corruption, dont la mission est hautement sensible, doit travailler dans la plus grande sérénité et avec une précision d'horloger. Toute approximation peut se révéler néfaste, tant pour l'institution que pour les personnes indexées, dont l'honneur peut être vilipendé à tort ou à raison si la précipitation commande les actions. J'insiste sur ce point, car les combats à mener sont nombreux dans la prévention et la lutte contre la corruption. Il faut s'évertuer à choisir et à embrasser ceux qui combattront effectivement la corruption dans un pays où ce fléau se retrouve à chaque point de rue. Mesdames, Messieurs, vous comprenez toutes et tous avec moi qu'il est temps de voir notre pays rompre définitivement le cercle infernal de la corruption dans lequel il se retrouve enfermé dès les premières heures de son histoire et qu'il lui vaut d'être aujourd'hui, bien entendu, avec le concours d'autres facteurs négatifs d'ordre externe, le seul pays moins avancé de tout le continent. Parce qu'elle a, pendant trop longtemps, bénéficié de la complaisance de ceux qui avaient pour mission de la prévenir et de la combattre. Parce que l'impunité a toujours été la règle et la sanction l'exception. Parce qu'elle a été perçue par les uns comme un art de vivre et par les autres comme la voie la plus sûre et la moins coûteuse pour faire fructifier leurs négoces au détriment des intérêts majeurs de la collectivité. La corruption a fini par revêtir le caractère d'un fait culturel, comme l'ont si bien signalé nos qui se sont donné la peine de se pencher sur ses causes et conséquences affectant l'évolution de notre société. Partant de ces analyses, inutile de vous dire, Monsieur le Directeur Général, combien lourd est le poids des responsabilités qui pèsent sur vos épaules en prenant charge aujourd'hui à la tête de cette institution. Monsieur le Directeur Général, je vous souhaite bon travail et du succès pour le bien du pays. Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Patrick Boisvert, Monsieur le Directeur Général sortant et actuel Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Maître Rockefeller Vincent, Honorable Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Monsieur le Commissaire du Gouvernement près la Cour d'Appel de Port-au-Prince, Monsieur le Commissaire du Gouvernement AI près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Monsieur le Directeur Général de l'IGC, de l'IGF, merci, Messieurs, Mesdames, Messieurs les cadres de l'UNCC, Honorable Magistrat, chères collaboratrices, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités et amis, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis avant tout d'adresser mes plus sincères remerciements et ma plus profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, Joseph Joubert, qui m'a choisi pour diriger l'unité de lutte contre la corruption dans un contexte particulier d'exigence sociale d'une gestion transparente de la chose publique et de reddition de comptes. J'avoue aussi que j'ai répondu favorablement à ce devoir patriotique avec un sentiment partagé lorsque je me vois obligé de me séparer de mon ex-directeur général, Maître Rockefeller Vincent, avec qui j'ai pu construire de solides relations professionnelles. J'ai pu devenir en ce grand homme d'État de belles qualités intellectuelles et humaines qui marqueront
partiellement toute ma carrière professionnelle. Et vous soyez également remercié, monsieur le ministre Vincent, mon cher Rock. En effet, en 2004, sous l'impulsion de la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies sur la corruption, ratifiée par Haïti, la décision a été prise au plus haut sommet de l'État de créer un organisme autonome à caractère administratif dont la mission principale consiste à combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein d'une administration publique haïtienne. Je veux être celui qui prononcera la dissolution des liens inextricables entre la corruption et l'administration publique haïtienne. Je demande donc péremptoirement à la police nationale d'Haïti, notamment la direction centrale de la police judiciaire, pour la réalisation de ce travail crucial pour l'avenir de la nation, de s'armer de courage afin de répondre activement, conformément à la loi, à la moindre sollicitation du directeur général de l'UNCC que je suis, comme le prévoit l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 qui dit ceci. Le directeur général de l'UNCC peut requérir directement le concours de la force publique. Je rappelle également, dans le souci d'anticiper toute compréhension erronée de nos actions à venir, que ce même décret mentionne sans équivoque et avec une clarté édifiante que les agents de l'UNCC peuvent utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés qu'ils estiment utiles à la constatation d'une infraction. Ce large pouvoir qui certainement doit être et sera exercé dans le respect scrupuleux des droits et des libertés individuelles se trouve inséré à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret. Je conseille donc à tous et à toutes de transformer, si vous voulez, votre Bible ou votre livre de chevet, ces trois textes juridiques qui amèneront et appuieront les actions que nous poserons. Premièrement, le décret du 8 septembre 2004 créant l'UNCC. La loi du 12 février 2008 sur la déclaration du patrimoine. La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. S'il est nécessaire de faire la prévention de la corruption, toutefois, en l'état de pourrissement de la situation qui est la nôtre, la répression sera mise en avant. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, je suis conscient que les ambitions que je porte aujourd'hui sont énormes. Connaissant les contraintes budgétaires, ainsi que certaines difficultés internes et externes auxquelles fait face l'UNCC. Néanmoins, je suis persuadé que notre détermination, notre motivation sans faille, les compétences prêtues et avérées de nos cadres constitueront de ces attentes dans la mise en œuvre de la mission principale de l'institution sur les pas d'honneur de son père fondateur, le très regretté Amos Josier. La présence de l'après-midi, c'est suite à la rencontre de travail que nous avons gagné et nous avons accompagné le ministre Rockefeller Vincent, le ministre de Justice et de la Sécurité publique. Nous avons accompagné avec le directeur général là pour nous faire une rencontre de travail ensemble avec deux filles par rapport à notre modèle de grève qui était lancé demain mardi, qui est le 28 juillet 2020. Le ministre se sentait réellement concerné par cette question, puisqu'il était greffier, disons, dans son parcours professionnel. Il était vrai que cause greffier, c'est cause palmier. C'est la fois tout de suite qu'il demandait, nous avons invité greffier dans la rencontre matin, pour que tant de vraies revendications, pour que garder ensemble avec eux, qui possibilité pour que accompagner, pour permettre que les revendications, ça, nous côté au côté de vous, côté pour greffer au cas d'une satisfaction. Et après maintenant, le ministre a un engagement vis-à-vis de tous les greffiers, côté que pour lui
supporter et lui soutenir ou tout au moins défendre et un document que Greffier a été préparé de conseil avec le ministère de la Justice, le ministère de la Justice, pour déposer ce document ça, qui c'est statut Greffier, pour te soutenir le document ça, pour le conseil de gouvernement et puis le conseil des ministres. Après, l'Elfine garde le document, il passe avec sa stéphanie, la garder, la corriger, la regarder encore. Après, toute correction fait bordée, il prend engagement pour soutenir le document ça. Après vérification et correction, de soutenir le document ça devant le conseil des ministres et un conseil de gouvernement pour permettre qu'ils répondent avec aspiration greffier, parce que les attentes, tout, presque toutes les attentes des greffiers sont inscrites dans ce document. Et nous pensons, le ministre Rockefeller-Vincent également, et l'état de revendication et greffier par rapport avec. Et Kouavia, du temps de haut, et puis du plan engagement dans la prochaine année fiscale pour discuter, pour regarder comment il est inséré pour rubrique, pour répondre avec aspiration presque tout employé par lui, ou tout au moins les greffiers qui dépendent du ministère de la Justice. Et nous face à engagement ça. Face avec responsabilité ça, face avec volonté que le ministre a gagné comme un ancien greffier et jusqu'à présent qui comporté comme un greffier dans ce parcours qui est une bonne promotion, il pensait qu'il est nécessaire pour lui accompagner le greffier, pour lui soutenir le greffier dans la démarche, pour lui répondre avec attente et aspiration de greffier, pour tout au moins greffier d'accorder le allègement par rapport avec leur statut, par rapport à leur attente, par rapport avec leurs revendications. C'est afin que le ministère pour l'engagement, ça y est, et nous croyons, par plein rencontrement, greffier pour aller gagner par rapport à la responsabilité pour aller et faire un retrait. Pour être dans le mode grève là, que l'on lance là, parce que et heureusement pour nous autres, au niveau du ministère de la Justice, nous sommes tous responsables. Nous croyons que ce n'est pas un souci pour être bloqué, pour être un souci pour nous chitabaler, pour te prendre en tête, pour te répondre avec attention. C'est ça que nous croyons, après chita ça, greffier, pour le faire retrait par rapport au mode grève là. Et heureusement, le ministre a anticipé, sur cette question. Et nous pensons que nous ne pas privé là, nous ne sommes pas greffés, pas privé là jusqu'à un greffe. Après, nous avons fini d'entreprendre des démarches pour nous rencontrer avec le ministre de la Justice. Là, et nous avons notifié le document que nous n'avons pas de chance de répondre. Nous avons venu dans une situation où nous avons notifié le deuxième document pour nous annoncer que nous avons rentré en grève demain lundi. Cap 28 juillet 2020. Cap 2 mardi, cap 28 juillet 2020. Du coup, le ministre était relé nous sur téléphone, il était écrit nous via DAJ pour l'idée proposer demander nous rencontre jeudi. Comme ministre, en tant qu'autorité, autorité de titelle, nous ne sommes pas capables de bouder rencontre ça, égal matin. ANAD avec SIG, qui forme une délégation de 4 membres, qui c'est moi-même qui c'est président ANAD, Élise Kade qui c'est secrétaire général SIG, qui c'est avec Fabio Lachere-Stal-Georges qui c'est porte-parole ANAD, et puis Gina Séplis qui c'est préfère tribunal de paix de Delma, qui c'est conseillère ANAD. Nous avons passé un bon nombre de temps, toute une journée, à discuter autour de problématiques qui concernaient revendications greffiers, que le ministre estimait qui juste, que nous-mêmes nous estimons qui juste et qui fondait, égal pour nous-mêmes nous sommes capables d'observer grève ça, qui c'était une grève illimitée. Après, on compte ça a fini, que le ministre prend engagement, pour lui, capable de présenter le document, ça, que ce statut particulier des greffiers de service de justice haïtien, qui c'est document ça, qui c'est statut
particulier des greffiers des services de justice haïtiens, également pour présenter dans le Conseil des ministres, le président de la République là, capable de sortir un décret pour leur adopter statut ça. Mais son statut qui déposait le ministère de la Justice depuis novembre 2017, le décret soumettre à travers le Conseil ministre Magloire pour te travailler là-dedans, pour te faire une série de corrections que nous sommes certains que les corrections nous déjà fin fait, également le ministre promettre nous le prochain Conseil des ministres qu'a fait là, qu'il lui même l'a bien pour communiquer document ça avec le gouvernement pour être capable de sortir en arrêté pour adopter statut greffier. Nous estimons que qui gagne toute revendication de greffier la donne et automatiquement statut ça fin adopté, le problème greffier a résoudre au moins à 80 et à 90%. L'autre point, nous estimons que le ministre répond nous de façon favorable, c'est que pour le 4DD bien, nous-mêmes nous estimons que qui c'est une humiliation parce que c'est une discrimination dans le système de justice là. Côté qu'il y a un juge qui siège ensemble avec un greffier, il y a un 4DD bien qui gagne 33 000 gouttes et salaire greffier en égal avec 23 000 gouttes que le ministre lui promet nous dans le mois octobre, si Dieu veut, n'a bien pour nous le 4DD bizarre, mais il promet nous dans le mois septembre qui a venu là. La belle nous encore en compte pour nous venir chita sous modalité 4DD bien avec relèvement salarial que nous-mêmes n'avons exigé depuis longtemps et qui prévu dans le statut noir pour salaire greffier la supposé calqué à 75% via salaire des juges. Nous, en plus, nous gagnons de l'autre promesse toujours ministre en fait nous, mais sur deux points sérieux, sur trois points sérieux qui sont censés primordial pour greffier, que le ministre lui-même répond nous favorablement avec nous. Nous, quoi que nous joignons au issue avec question de. Avec question de grève que nous-mêmes nous avons commencé demain matin si Dieu veut, que nous pas dit nous pas rentrer dans la grève encore, mais nous baillons ministre n'a pas une trêve pour la barre de rêve d'ici demain si Dieu veut, juste pour nous capables de tester bonne foi l'État, malgré nous connaître. Le ministre lui-même est capable de volonté pour faire toute sa liberté nous la faire. Mais l'État, le gouvernement avec le ministre des Finances, capable de mettre nos situations pour qu'il n'est pas capable de satisfaire nous. Mais question des statuts greffiers, ça revient avec le ministre parce qu'il n'a pas gagné l'argent, il a payé nous. Et nous ne croyons pas qu'il a besoin du ministre des Finances sur ça, que nous croyons qu'il a gagné un décret, un arrêté présidentiel qui a sorti avant longtemps, côté que il a adopté statut qui relative avec profession greffier qui travaille dans le système justice là. Nous croyons que c'est tout partie de nos revendications. Nous estimons que nous satisfaisons avec nous en partie, mais que nous réservons le droit si toutefois que le ministre n'a pas honoré la promesse de l'IFENIO, bientôt nous avons pris un greffe illimité et laissons pas quoi que le ministre n'a pas venu faire notre promesse. Alors, qui est le travail pour répondre à la revendication qui est en promesse que vous faites pour nous parler de notre vie? Le ministre lui promet nous que nous. Conseil des ministres qui gagne, que même j'en déagis à ce dire que quelques petites corrections pour Chita dans l'équipe pour les corrections là-dedans, si toutefois vous partagez ça avec le ministre Magloire, que nous pouvons avant dans la soumettre dans le Conseil des ministres. Question de 4DD bien, il faut mettre nous que la relève nous l'autre pour encore et que nous même avons toujours fait suivi sous dossier ça, nous sommes capables de venir Chita sous modalité 4DD bien depuis le bail là, parce que nous connaissons avant que nous faisons ajuster notre bail on une équipe nous capture dans l'État en cas de débit, nous avons toujours chita avec instance, avec structure que nous avons discuté avec l'OA, nous avons qui modalité et combien de corps il y a pris des souvenirs, comment la pied, est-ce que c'est 50%, qui pourcentage par rapport avec salaire, nous, que nous-mêmes, il y a pris des choses de bizarre. Nous faisons ministre confiance, nous croyons que nous avons ministre jusqu'à ce que les salaires nous épuisent. Mais ça existe, c'est la deuxième mois, est-ce que c'est la trois mois? Il promet nous l'exercice fiscal, c'est-à-dire que nous avons octobre, on va même exercice là, dans le mois octobre, si Dieu veut, que nous avons 24 de bien, mais dans le mois septembre, la délégation, nous avons réunion dans la même salle conférence pour nous discuter sur modalité de 4 de bien, et nous avons bien de si toutefois que le papa dit dans le octobre, nous sommes dans l'ouverture des tribunaux, nous avons tout réouvert le grève. Suite à un mot de grève que nous avons lancé, qui a été fait à partir de demain, et qui c'est le 28 juillet 2020. Et le ministère de la Justice, via le directeur d'affaires judiciaires, a convoqué nous pour nous rendre compte avec le ministre de la Justice là, aujourd'hui, qui c'est lundi 27 juillet 2020. Nous-mêmes, dans le syndicat greffier haïtien, nous avons souci pour nous prouver
pour nous tester bonne foi ministère de justice et dans ceci pour nous prouver que nous-mêmes nous pas là pour nous bloquer le système judiciaire. Nous avons d'accord avec que depuis 2017, cette cadre greffier avec l'Association nationale greffier haïtien conjointement, qui a fait plusieurs accords en 2017 et en 2019. On n'y est pas jamais fait. Nous prélevons carte d'assurance et compte sous chaque mois, mais minimum que ces cartes d'assurance nous pas recevoir. Donc, on peut imaginer, pour l'autre qui nous pense que qui fait prendre plus de temps, nous pas jamais mieux. Nous avons eu un accord qui était par rapport avec la justice en 2019 qui était d'accord pour nous relever salaire greffier dans le prochain budget qui a venu. Certes, c'est une bague parlement, budget pas voté, c'est le budget qui nous conduit. Mais, entre-temps, nous avons eu un statut greffier que nous travaillons sur lui, qui c'est statut particulier des greffiers des services judiciaires haïtiens, que l'État haïtien a investi comme dans le travail ça. Le ministère de la Justice a travaillé sur lui. Nous te dit que nous avons travaillé sur lui pour une version corrigée. Nous recevons le ministère depuis 2017. Et nous pensons que c'était un travail qui t'a fait, c'est que déjà fait. Le ministre prend engagement personnellement pour aller dans le conseil des ministres avec document ça. Avec document ça, il doit aller dans le conseil des ministres pour voir qui t'a sorti sous forme de décret. C'est document ça qui a résolu toute revendication de greffier. Pour moi-même, j'en prends le gradi à 80-90%. Nous-mêmes, notre souci pour nous tester encore une fois, bonne fois, ministère, nous demandons avec greffier dans 18 juridictions pays pour nous bailler une trêve. Notre rêve, pas pour nous bailler une carte blanche avec le ministère. Mais pour nous tester bonne foi, pour y aller travail, pour nous un jour cap vidéo, des indices qui pouvaient créer au prêt pour satisfaire les revendications. Nous réservons le droit au moment opportun pour nous entrer en grève de façon illimitée si rien n'est fait. C'est ça que nous souhaitons et c'est ça que nous disons. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.